composite, bois, aluminium et acier, le célèbre P-38 Lightning à bord duquel fut abattu Antoine de Saint-Exupéry voilà 70 ans au large de Marseille ne redécollera pas, mais il reprendra bien vite à l'échelle 1 quart sur le site du futur aérocampus d'Aulnat, le campus des métiers de l'aéronautique de la région Auvergne. Imaginé par une douzaine d'étudiants ingénieurs à l'IFMA, l'Institut français de mécanique avancée, la maquette, élaborée à partir des plans originaux de l'avion, est désormais en cours de réalisation au lycée professionnel Roger Claustre. Justement, la partie très intéressante, c'est qu'il y a un échange permanent entre les deux établissements et on a pu penser peut-être à des systèmes de conception qui vont être difficilement réalisables ou peu envisageables concrètement dans leur réalisation future. Donc il y a un échange perpétuel pour pouvoir trouver les meilleures solutions techniques et modifier la conception initiale du projet avec les étudiants. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est un projet qui est fabuleux parce que ça apprend aux étudiants futurs ingénieurs de communiquer avec les techniciens qui vont vraiment être les opérationnels et puis également les futurs techniciens de pouvoir comprendre les problématiques de ceux qui vont concevoir et de trouver des terrains d'entente qui est la vie d'une industrie classique. Une industrie classique avec une certaine pression sur les délais de livraison naturellement. La maquette du P-38 devant être prête début juin. Sa taille réduite développera tout de même plus de 4 mètres d'envergure et ce sont donc près de 400 heures en atelier qui attendent nos élèves et sans doute de nombreux échanges encore avec les étudiants de l'IFMA. C'est plus une œuvre, donc on va pas avoir beaucoup de contraintes aéronautiques, mais c'est vrai que du coup on se retrouve avec des pièces à l'échelle qui sont vachement... Enfin, qui du coup vont demander plus de précision, mais globalement on peut se permettre un petit peu d'extravagance et c'est notamment pour ça qu'il y a les chaudronniers traditionnels qui vont faire beaucoup de parties en acier, et, que les ébénistes vont nous aider donc pour les parties en bois et notamment les sections composites aussi qui vont nous aider pour des pièces qui demanderaient énormément de temps à faire en tôle. Du coup on se retrouve avec deux sections qui sont très complémentaires. Parce que sans nous, ils n'auraient pas pu le réaliser, parce qu'ils n'ont pas de chaudronnier. Mais sans eux, on n'aurait pas pu le faire, parce que la conception des plans nous aurait pris bien trop longtemps pour l'inauguration du pôle aéronautique. Le résultat de cette complémentarité et de la volonté de faire travailler l'ensemble des sections du lycée, c'est du bois pour les hélices, du composite pour les cônes d'hélice et le radome, c'est-à-dire le nez de l'avion, de l'aluminium pour les âmes des longerons et la peau de l'avion que l'on peindra bien sûr, et de l'acier pour le corps des longerons et le pied de la maquette. Alors on est en train de les découvrir, donc on n'a pas tout encore, mais il y a des pliages qui ne sont pas réguliers, qui sont donc un petit peu plus difficiles à réaliser, on fera beaucoup de choses à la main. Travail minutieux, vous l'avez compris, pour décorer le hall du futur aérocampus qui regroupera la formation des mordus de l'avion dès septembre prochain.